Hello, bonjour, bonjour à tous. Bam, voilà, on est bien. Ça va ou quoi? Hello, évidemment, bon appétit à tous. Stream surprise, surprise. Voilà, on est là et on va jouer un petit peu pour vous tenir compagnie pour ce repas de ce 30 janvier. Janvier, hein? Ou non, janvier. Demain, ah merde, c'est demain le 31. C'est vrai qu'il dure super longtemps, le mois de janvier, là. Jamais ça se finit? Jamais ça se finit? N'importe quoi, ça. Du coup, est-ce qu'il y a le son? Il y a du son partout, c'est très bien. Ok. Le micro, on le met à fond. Ça, on le met là. Ça fonctionne, on m'entend. Super. J'espère qu'on m'entend comme il faut. Est-ce qu'on m'entend comme il faut? On m'entend comme il faut, c'est un peu fort musique. Voilà. La musique c'est bon? Est-ce que la musique c'est bon comme ça? Ça, c'est pourquoi la musique est super forte par rapport à ma voix. De fou ça. C'est bon hein? Ouais, ça a l'air d'être bon. Ok, bizarre. Bizarre. Ok, bon appétit. Alors, qui pourrait-il y avoir un mercredi midi? Mardi midi, je ne sais point. Je ne sais point, figurez-vous. C'est vrai que j'avais dit quoi? J'ai dit samedi matin que je vous partagerai une photo de la raclette, big raclette que j'ai fait le soir. Mais j'ai pris en photo, mais j'ai 1% de batterie. Et j'ai dit ça. Ça me saoulait, je vais pas le faire. Et en fait, bah, je l'ai pas fait dimanche. Pas pu la faire lundi parce que je faisais autre chose. Du coup, nous voici. Nous voici, nous voilà. Qu'est-ce qui se passe d'autre en news? Quelques shorts. Normalement, il y a un short aujourd'hui qui est sorti ce matin. Il est pas mal. Sympatoche. Je sais plus ce que c'est, mais il est sympa. Je sais même pas s'il est sorti sur TikTok, je crois que j'ai vu que sur YouTube. Ah bah faut que je regarde ça. Il y en a un pour demain aussi, faut que je prenne de l'avance pour les autres trucs. Et voilà, normalement aussi des VOD. Et je pense que c'est tout, hein. Je pense qu'on est bien là-dessus, on est pas mal, on est pas mal. Il faudrait que j'arrive à stream sur TikTok, je pense que ça peut être un truc un peu positif ou au moins... Bah le top, ça serait TikTok et YouTube en plus, quoi. Mais niveau connexion, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut que j'essaie de mettre ça en place. Je sais pas trop comment faire. Donc il faut que je me renseigne un petit peu. Et puis voilà, du coup, on sera pas mal. On sera pas mal. J'espère que le son de ma voix est cool. On va partir in-game direct. In-game direct, parce que pourquoi pas, hein. Oh, ma capuche, elle est pas droite là, c'est bizarre. Voilà, c'est bien. Très bien comme ça. On est parti pour du chill, évidemment. Donc, si vous mangez, bon appétit. On va partir pour pêcher des petits poissons. Vive le petit poisson. Je ne sais pas si il y a des notifs qui sont partis, etc. I don't know. Comme on dit en italien, et on va partir direct. On va partir direct. Transition, berms. On coupe le musique. Le musique, hein, évidemment. Évidemment. The music. Et on dit coucou Dave. Et on va mettre le son. Ici. On clique là. On voit tout ce qui se passe, on est good, on est good. Hop. On switch et on clique là. Voilà. Et là, on espère que le son du jeu fonctionne et qu'on entend bien le son du jeu. C'est bon. Si ma voix coupe de temps en temps, c'est un peu chiant. Donc voilà, je préfère avoir. En fait, vas-y, je sais pas en fait. On va voir. Est-ce que là, le son, si je tourne un peu la tête, ça va quand même?
Est-ce que si je parle devant comme ça c'est bien? Y a pas de bizarrerie ou quoi de conneries du genre quoi. Ok. Le compresseur il est bizarre un peu. Faudrait que je règle ça parce qu'il nous fait des dingueries. Mais tais-toi en fait. Le retour, tu te tais. Tu te tais, monsieur, le retour? Merci. J'ai des problèmes avec mon petit hub USB là. Il fait des dingueries. Sauf que y a ma souris, ma manette et la cam qui est branchée dessus. Et mon casque aussi. Du coup, bah si se déconnecte, c'est un peu chiant. Je freeze, je peux plus utiliser ma souris, je peux plus utiliser la manette. In-game c'est compliqué. Donc voilà, on continue, continue. Et on va avancer un max dans l'histoire. Voilà, on est parti pour du 2h. J'ai commencé un peu tard. Je voulais commencer super tôt, genre à 10h30. Mais comme je suis un gros connard, j'ai pas pu. J'ai pas pu parce que je faisais rien. Voilà, hein, c'est dur la vie. Ça m'a bien saoulé. Mais bon. Gagner la confiance du peuple marin, c'est vrai qu'on a gagné. Hier, il s'est passé plein de trucs. Bah, pas hier, mais samedi, il s'est passé plein de trucs. Notamment un nouvel outil pour capturer les big poissons. Genre des thons, etc. Parce qu'il y a un événement de thon dans J-2. Un événement de thon, donc il faut capturer du thon. Bon, il y a ma tête sur les objectifs, mais ça, c'est pas très grave. Parce qu'on peut les retrouver ici. Mission principale, de toute façon, la confiance du village. Ok. Ensuite, mission secondaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pêcher des trucs. Il faut faire le plat de la fille réservée. J'ai tout, mais il n'y a pas la petite fille, donc forcément je peux pas lui donner le plat. Plat de corail, ça il faut que j'en trouve, hein, j'ai toujours pas trouvé, faut que j'en trouve 3 même. Attraper des hippocampes. Donc ça c'est la quête justement du village Atlante, du village du peuple marin. Il nous demande d'obtenir la confiance du peuple, donc en faisant des petites quêtes. Sauf que ramasser les hippocampes, c'est compliqué puisque on ne peut pas comme ça, c'est tout petit, ou je sais plus quoi, il nous faut un outil. On a eu un outil pour pêcher le gros poisson. Et un drone, un genre de sous-marin, qui vient récupérer les grosses prises. Donc on va pouvoir choper du gros requin, j'allais dire du gros dragon. Pas tant, pas tant. Ensuite ici, il nous faut... Oh là là, il nous faut plein de choses. Pour J-2? J-2, il nous faut tout ça là. Ah oui, il y a Michael Bang qui est arrivé. Michael Bang, évidemment. Le grand réalisateur de films avec les explosions. Qui veut un plat de fou. Donc voilà, on est parti pour chercher de la baliste à tête jaune, un vieil arlequin, la loge semonée et du riz. Le riz c'est dans la ferme. Oh, on peut aller voir ça vite fait. C'est vrai que j'y ai pas pensé, on a débloqué la ferme. Donc pour récolter du riz et prochainement je suppose des carottes et des conneries du genre, d'où l'image. Non, tout a l'air d'être bien. De croissance graines dans 2 jours, ok, c'est plutôt bien. Ok, qu'est-ce qu'il dit lui? Parlez. Il fit tuer les insectes de temps en temps. Ok, il a reçu un harpon dans la jambe. Je sais pas s'il rigole ou il pleure, mais en tout cas, il est motivé quoi. On a eu ça et on a eu un truc un peu cool, un élevage de poissons. Chapitre 3, j'avais dit qu'il y avait 11 chapitres. Je suis juste bête et en fait il y en a minimum 7. Donc on est presque à la moitié. C'est pas mal. Les élevages de poissons, donc là on a des big poissons, on peut afficher, on peut regarder l'aquarium. En fait, faux aquarium, mais... Et on a des trucs du genre et en fait tous les temps de temps les poissons ils se reproduisent si on en a 2 de la même espèce. Donc le thon rouge, il faudrait qu'on en chope un autre. Ah bah des œufs de thon rouge du moins. Et j'ai pas envie que le requin il mange tout. Mais bon, de toute façon, je sais pas ce qui...
Bah, ça influe quelque chose. Densité 44%. On va devoir augmenter. Ah bon, faut parler à lui pour augmenter. Magasin. Voilà, ça coûte un peu la blinde. Ah non, pour augmenter, c'est que 300. Ah oui, pour le premier, ok. Ensuite, pour débloquer les paliers, ça va être sympa. Je sais pas si à chaque fois le palier augmente. 130, ça doit être 200, 250, 300, 350, 400, 550. Toujours plus. Et il y a un truc des profondeurs de nuit. Donc ça, c'est pas mal. On n'a rien à faire pour le moment. On décampe, on va au bateau. Il faut qu'on pêche les trucs qu'il a dit, donc baliste à tête jaune, etc. Mais comme la quête est sectionnée... Oh non, je saisis Sushi comme un mec bête. Ah oui, alors on avait recruté des nouveaux gars. Détail. Mais nous, on a des mecs super chauds avec nous, là. On a plus besoin de... On a des mecs trop chauds. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de... faire quoi que ce soit. J'essaie de les monter level 20. C'est... Ah ouais, 1000. Ah ouais, mais level 20, c'est super dur en fait. Moi, j'ai presque acheté tout le monde 1000 pièces là. 2000. C'est trop. Donc, je pimpe un peu mon truc parce que le décor, il est pas fou. Hein. Je pense qu'on a des bêtes de trucs quand même. Vert. 400 le vert alors que c'est pas beau. Non, non. Chaise. Qu'est-ce qui est stylé en chaise? Ça. Ouais, ça. Ça peut être sympa. Ça. Non. Non, ça c'est pas mal ça. Ça j'aime bien. Ok, avec en bois rouge. Bois rouge c'est stylé. Bois léger. Pourquoi pas. Moderne. Ouais. Et ça. On va dire, ça c'est pas beau ça. Bois rouge est stylé, mais coûte cher. Ah, mettons, on met ça. Enceinte en bois. Bof. Enceinte moderne. Non. Non, en bois c'est mieux. En bois c'est stylé. Ici. Lampe orientale. C'est très stylé. C'est très stylé, mais. On peut partir sur un truc lampe champignon, c'est pas beau du tout. En acier rouge, c'est un peu stylé. Je trouve que celles-ci sont un peu mieux. Après, ça va pas trop avec le bois en fait. On met ça. C'est un peu mieux ça. Ou celui-là. Celui-là est sympa en vrai. Waouh, on a tellement de déco, mais stop! Imprimé poisson, sushi, de la musique, un petit bonsaï. C'est quoi qui coûte le plus cher? C'est ça là? Lanterne, bof, imprimé poisson, bof. On va mettre un petit chat. Ça c'est quoi ça? Posséder. Ah bah je vais le mettre celui-là, c'est bien. Il faut que j'annule en fait. Faut que j'annule parce que c'est trop. Support casserole, mais qu'est-ce que ça fout dehors, non? Jardinière de Noël. Imprime poisson. Non, c'est pas beau. Ça, c'est bien. La déco. Déco de Noël. Calligraphie. Licence de cuisine poisson globe. Non. Un téléphone. Wow, un routeur wifi carrément. Non, c'est pas beau. Ça, c'est stylé. Ah ouais, carrément. Carrément une cheminée de Noël, quoi. C'est con. Pourquoi il y a des trucs de Noël que maintenant? Non, c'est pas grave. Mais du coup, on va annuler tout. Et on va mettre que les trucs qu'on possède parce que c'est trop cher. Ça. Calligraphie. Ça aussi, c'est stylé. Bouteille de saké. Voilà, petite bouteille de saké, c'est stylé, au-dessus de la plante. Ça, on a rien, on a rien, on a rien, on a rien. Table, on a rien. Voilà, appliqué. Parfait. Oui, c'est bon. Ok, on est content. On peut pas le nourrir, c'est dommage. J'ai ma petite troupe, on est cool.
parti. Alors, c'est parti, hein. Pas le temps de tergiverser. On garde ça. C'est sympa. Oh, c'est quoi ça? Nageoire de carangue géante. Wow. Oh, on a une nouvelle peinture, c'est vrai. Poséidon. Ouais, c'est pas beau, hein. C'est pas grave, je vais le mettre quand même. Hop, on y va. Tédéon. Crabe araignée, lui, il fait peur, lui, hein. Il fait trop peur, il est énorme. Wow, on a des big algues de fou maintenant là. Oh, oh oui, c'est vrai, il y a du piton. Comment on fait pour les mettre? C'est quoi ça? Ah, c'est des algues. Eh, c'est la première fois que j'ai des algues moi. Ok, donc là il doit avoir le dispositif pour choper. Ah non, pas du tout. Ah, il faut que je l'achète genre? Mais non. Mais c'est pas avec mon filet que ça va faire que ce soit là. Ok, je vais pas choper plusieurs, dommage. Ok. Ouais, touchez-moi pas vous. Ah, c'est nouveau ça? Ok, deux d'un coup. Super. Aïe! Bâtard va. Ah, je l'ai pas eu. Merde, mais comment je fais? Ok, deux. Normalement, j'ai un dispositif pour choper la grosse poiscaille, mais. Je sais pas si je dois le choper quelque part ou. Ah merde, bah ça, j'ai aucune idée, ça. C'est chiant. Ok. J'ai un jaune, ça marche. Parce que les tongs sont trop forts. Waouh, c'est super beau le blanc là. C'est quoi? Ah, c'est pas ce que je voulais moi. Fais chier. Ange de mer impériale, mais c'est super stylé, même le nom est super stylé. Ok. Aïe. Compte t'es con là. Ok. On y va. On va où, je sais pas, mais on y va. Explore hein. Touchez-moi pas. Ouais, c'est ça. Go. Une mission, une arme. Étoile de mer rouge. Qu'est-ce qu'on a là? Triple axel, ok. Mais merde, comment on fait? Oh, wow, c'est quoi ça? Ok. Ah oui, c'est vrai que je peux l'amener, mais non, il est pas beau. Viande de rondon mouton. Rondon mouton, ouais, c'est ça. Oh, c'est bizarre. Ok, pourquoi pas. Heureusement que j'ai changé d'arme, hein, parce que putain. Après, je peux endormir les bestioles et les utiliser le drone. Ouais, y'a un truc sous l'eau là. What? What? What?
Oh non. Waouh, ça va si vite. Ok. Merde, j'ai plus de balles. Oh le con. Ok. Wow. Viande de ré pasta... Pastag. Quoi? Pasta... Pastenag. Évidemment, bien connu. Wow. Pourquoi il y a plein de poiscaille d'un coup nouveau là? C'est sous les cailloux comme ça? Wow. Ça fait peur hein. Ok. Oh genre. Nice. Oh, ils sont chiants à voir aussi. Bon, faut pas trop que je prenne de choses parce que j'aurais plus assez de place pour les poissons que je dois réellement prendre. Oula, quand il y a des gros trous comme ça, c'est... Il y a un big monstre. Bah, c'est une mission en plus. Ok. Oh, elle est là. Il faudrait que je l'arrive à... À l'endormir. Oh, ils sont là, les poissons que je dois choper. Ok. Une épée japonaise tranchante. Ah ouais, 32. Je peux le charger. Wow, excellent. Ok. Alors, ils sont où? Le truc que je dois choper là. Ils sont en haut. On l'a vu. Ok. Ça c'est quoi? Un filet, parfait. Un coquillage marron, ok. Alors, vous êtes où là? Oh quoi, j'ai vu l'autre? N'importe quoi. Pousse-toi de là, toi. Voilà, parfait. Super, j'ai plus de munitions. On va espérer qu'il y en ait quelque part là-dedans. Ici. Ou alors. Pas du tout les bons poissons que je pêche là. Liste complète. Pourquoi je pêche cela moi? Faut des balistes à tête jaune. Détail. Ok. Des vieilles harlequines. Lush summoné. Et du riz. Mais du riz, j'en aurai jamais pour J-2. Donc, poisson vert. Poisson vert scillant, rayé. Le truc saumon. Et le gros truc moche blanc. Donc ça là. Ok, ça c'est bon. Là-bas ça fait peur, j'y vais pas. Wow, le requin tigre il est énorme. Je sais pas si c'est un requin tigre mais il est énorme, alors j'ai peur. Après j'ai un katana hein. Mais bon, ça, il va rien faire mon katana. Ah, des grandes boxes! C'est bon.
Ouais. Vas-y, viens toi. Hop là. T'es dead. Ah, je suis déjà dans les profondeurs là. Ça fait peur. À l'aide. Au secours, Jafar, j'ai peur. Ok, je peux pas choper ça. Bilan PV, pourquoi pas. Je pense que ça sert à rien que je vienne ici. Une bombe. On s'en fout. Ouais, tout ce qui est coquillage, on prend. Les munitions ici, je peux essayer de choper les poissons. Non. C'est quoi, on va remonter. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Nous, il faut les trucs jaunes là. Pousser. Oh, amélioration du filet. Les niveaux 2, ça sert à rien. Y a rien qui augmente. Si, normalement, y a le nombre de poissons que je peux choper, mais c'est un peu nul quoi. Elle est où mon arbre que j'ai déposé? Oh, elle est loin de fou. Et bah tant pis, je la prends quand même. J'aurais un petit truc d'oxygène. S'il vous plaît. Là, parfait. Est-ce qu'on peut savoir... Est-ce qu'on peut savoir, s'il vous plaît? Pas mal de choses en fait. Ça c'est bon. Ouais, il faut le baliste à tête jaune. Là, il m'en faut un. Loche, il m'en faut une encore. Un truc summoné. Tout totalement orange. Faire gaffe au requin. On va aller à gauche là. Ah oui, non, ça fait peur ça. Il me fait embarquer. Embarquer. Et... Oh, là-bas, j'ai vu. Non? Ah non, c'est les sèches. Ok. Ah, et les trucs en bas à gauche. Ouh, le harpon empoisonné, c'est pas mal. Ouais, c'est quoi ça? Et... On prend tout, hein. On prend la blinde. Oh, un squelette. Os de pied. Ok. Utile pour fabriquer des armes. Évidemment, hein. Dinosaure, c'est bien connu pour fabriquer des armes. Ok, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Je commence à être presque saturé là. Hein. Attention. Ok, on va arrêter de prendre des trucs. Oh, ils sont là. Super. Ok. Du riz blanc et un balistette. Non, du thé. Hein? Truc à tête jaune. On y va. Ah oui, mais il y a lui, il me fait chier. Il fait chier, je sais pas comment l'avoir. Ouh, ça dégage. Merde. Aïe. Ah ouais, viens. Huche, huche, huche. Bon, allez. Il peut rien contre moi, en fait. Il m'a fait mal le bâtard. Y. Je peux pas le prendre sur moi. Allez, s'il vous plaît. Ça dégage. Allez, c'est ciao. Ouais, il est que deux étoiles du coup.
peu chiant. Oh, une raquette de tennis. Excellent. On va esquiver ce truc là-bas. On esquive tout. Oh non, c'est un cul-de-sac. Oh, je me suis fait eu. Je me suis fait avoir. Ok, il me faut un gros poisson jaune moche qui m'attaque. Ah, je pense que je suis bien là. Quoi ça? Harpon éclair. Oh oui, il est trop fort. Il est tellement fort ce truc. Démonstration. Démonstration. Voilà. On n'a pas bien vu, je recommence. Ça électrocute tout le monde qui est autour. C'est trop bien. C'est excellent. C'est trop fort. C'est trop fort. Ouais, on arrête les cons. Hein. On arrête les cons. Oui, aussi. On arrête de faire le con, surtout. Moi, il faut de l'oxygène. Eh oui. Eh oui, c'est bien beau de faire le fou, là, mais... Comment on fait pour respirer ici, là? Je me fais toucher par une bestiole, je meurs. Donc on va espérer qu'il y en a à gauche, là. Parfait. Tranquille, tranquille, tranquille. Ah. Le coup, moi. Il me voit pas. Super. Bon, il est où ce poiscaille là? Bon, ça me saoulait, hein. Non, changer d'arme peut-être. Plus tranquillisant. Le truc tranquillisant, on va voir. Voir ce qu'on peut faire avec. Et j'ai l'impression que le kit d'amélioration d'armes qu'on a eu avant, il est valable pour toutes les armes. En fait, c'est pas si tu changes d'arme, ça redevient level. Oh putain, oui, il est énervé lui. Ça revient pas level 1. Il est énervé là, faut faire attention. Et ils sont où ces gros poissons jaunes là? J'adore. J'adore, c'est inutile mais j'adore. Il est où lui? What? Pourquoi? Qu'ils me veulent, eux. Poisson charrier, quand ils sont en gang, ils m'attaquent comme ça là. De quoi c'est fou là. Wow, j'avais pas vu lui, putain. Oh, il a tué les trois poissons. Le grand fou. Ok, solide. Hein. Super. Et oui, j'ai plus rien. Moi, je veux un baliste à tête jaune. Yes, le filet. On chope le filet. Et on va goumer tous les poissons chats là qui m'attaquent.
Voilà. Ouais, il m'attaque pas, c'est juste s'il me fonce dessus. Bah, c'est un peu pareil quoi, mais. Ok. Wow, c'est complètement fou, hein. J'adore. Non, mais un, c'est nul. Je peux plus rapporter. Je joue au tennis avec les boissons. Hop. Super. Ah bah, y'a un filet ici. C'est con, ça. Je pense qu'il est vide. Bah oui, il est vide, lui. Non, c'est pas drôle. Bon, ils sont où les balistes, là? Bah, redescendre, quand même. Tiens, pas le choix. Essayer d'aller tout à droite. À droite le plus loin possible. Oh non, il m'attaque eux. Oh non! Au secours! Putain! Bon bah je remonte. Ah là je peux plus là. Trop lent. C'est quoi ces zinzins là? Oh. Je vais attaquer par des poissons chats. Fais chier. J'ai soif moi. Alors température 21 degrés. On s'en fout. Requin si à long nez. Que 2 étoiles, c'est nul hein. Alors, en vrai, on a pas mal de trucs. Ah oui, on a eu des nouveaux. On a eu la raie qui nous a attaqué de sous le sable. Sous un caillou, plus précisément. Qui nous a rush dessus jusqu'à qu'il nous empoisonne. Et ce gros truc dégueulasse, là. Désolé à tous les... À tous les rondons de boutons. Hein, évidemment. S'excuse. Pas du tout. On a eu plein de petits œufs. On a eu des œufs de raie. Oh, excellent. Des œufs de mouton, là. Des œufs de mouton. Ah ouais. Des trucs de poisson-chat. C'est parfait. Yes, les poisons. Les poisons. Les poissons ont fait des dingues. Oui, j'ai débloqué ça. Oh, j'adore voir les trucs en or comme ça. C'est satisfaisant. Ça, je l'ai toujours pas, hein, ces petits trucs. Hein. Chaque fois je confonds avec lui, du coup je le chope pas, mais. C'est lui, mais en plus petit. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait touloudoum, touloudoum. C'est bon? Ok. Eux, c'est des nouveaux, pareil. Il faudrait que j'arrive à les choper en 3 étoiles, mais je sais pas comment faire. Je sais pas comment m'y prendre. Ah, c'est vrai qu'il y a un truc nocturne! Y'a que ça en nocturne. Impossible. Impossible. Est-ce que j'ai le requin tigre? Oui, un espadon carrément. C'est lui le requin tigre. Faut que je le goume. Echo Watcher. Des algues, parfait. Ici, encore des algues. Ici, des eaux. Ok. Ici, des coquillages. Ici, encore plein de coquillages. Décidément. Ok, là-dessus, c'est bon. C'est tout bon. On va aller voir les poissons. Notre culture de poissons. Ok, donc là-dedans il y a des. Il y a des petits œufs. Il y a des œufs. Là il y a que un partout, donc forcément chiant.
Et j'ai l'impression, oui, que quand on en a deux de la même espèce. Ouais, non, je vais dire une dinguerie. C'est-à-dire, sinon, quand on a deux de la même espèce, on en a un de plus au bout de quelques jours. Enfin, ils se reproduisent, quoi. En vrai, j'ai dit, c'est bizarre, on a que un de plus. Mais c'est normal. En fait, l'interrogation que j'ai, c'est si t'en as 4, est-ce que tu peux en avoir 2 de plus après? Si t'en as 6, est-ce que tu peux en avoir 3 de plus après? Ainsi de suite. Mais je sais pas. Alors là, je sais pas, hein. Mais afficher les détails. On va voir, hein. De toute façon, on a 3 de tout. Ça, on va essayer d'en avoir plus. En fait, là, on va faire expérience, c'est-à-dire, on va essayer d'en avoir 4. Des chirurgiens bleus. Et ensuite, voir s'ils se reproduisent. Chaque couple se reproduit. Bah, chaque paire se reproduise. Mais je crois pas qu'il y ait de gestion de notion de genre. Pas de genre de sexe. Du sexe pour les poissons? Bizarre, hein. Non. Oh! Et là, on baigne dans le riz. Nutriments. Pourquoi nutriments il est pas fou là? Qu'est-ce qu'il faut que je vire? Non, c'est bon? Super. Bon, on retourne au bateau, hein, de toute façon, pas le choix. Oh, il est quelle heure là? 13h. Il y a des gens qui ont déjà mangé? J'ai mangé juste un simple sandwich. Un truc T, sandwich triangle là, mais j'ai encore faim. Ah, voilà, c'est ça qu'il faut acheter. 85. Ah ouais, c'est pas chier le boug, hein. Le boug ne s'embête pas. Objet exclusif disponible au Cobra Spanium Shop uniquement. Ah ouais. Bah, je le prends, hein, je suis obligé. Obligé. Coûte cher, ça veut dire qu'il faut que. Coûte cher, oui et non. On va garder le fusil moyen. Et on y va en fait, hein. Du riz blanc, donc je pense que ça sera le jour prochain. Balista tête jaune, on va essayer de le choper. Ouais, en fait, Michael Bang. J'ai obligé de le faire, sinon je vais échouer la quête et j'ai pas envie. Ou alors il va dire j'en reviendrai plus tard. Je pense pas que t'aies de notion de. T'échoues totalement la quête. Ou alors peut-être. Peut-être, mais on s'en fout. Mais ça fait rien si t'échoues. La fille réservée, on s'en fout. Tant qu'on lui donne pas, la quête elle est pas faite. On peut pas échouer. Celle avec le temps, je pense qu'on peut échouer. Ah, je sais pas. Est-ce que je focus la quête principale? J'ai envie de focus la quête principale pour avancer dans l'histoire. Mais en même temps, j'ai pas envie de niquer les quêtes. Et après, je peux faire les deux. De toute façon. De toute façon. Ok. On va au peuple marin. C'est ce qu'on va faire. On va au peuple marin. De toute façon, ça compte comme une expédition. Le peuple marin. Wow, bah c'est stylé, les images sont stylées de fou. C'est-à-dire que je peux ressortir du village, être dans les profondeurs les plus totales de l'eau, de l'océan, et ensuite, repartir, remonter à la surface, à la nage, pour choper les trucs. Oh! Il me faudrait une sorte d'outil. Mais j'ai un outil! Ah, c'est pas ça? C'est pas le même outil? Ah non, j'ai la haine, tant pis. Dommage. Et, ah oui, j'avais kiné normalement, sauf que. Sauf qu'elle est malade. J'ai pu kiné. Ok. Ah, j'avais totalement oublié. En même temps, j'ai oublié parce qu'elle m'a dit qu'il n'y avait pas. J'ai oublié alors qu'il y avait, ça aurait été un peu plus chiant. Qu'est-ce qu'il y a, mesdames? Maro, que dois-je faire? Les enfants, que se passe-t-il? Ah, c'est les gosses, merde, j'ai pas vu.
Il s'appelle Biagi, ok. Eh bien, nous jouions au ballon de l'extérieur du village quand un requin grande gueule est apparu soudainement. Ah, rien que ça. Maïma. Il a avalé notre ballon, Sniff. Grande gueule, vous voulez dire l'énorme. Oui, tu peux aller le récupérer pour nous, humain. Ça a l'air vraiment terrifiant. D'accord, je vais le récupérer pour vous. Waouh, merci, humain. Ils sont trop mignons, je peux pas leur refuser. Eh, doucement, Dave. Hein. Doucement. Ouais, sur Twitch quand même. Hein. Alors, ici c'est quoi? C'est le forgeron. Le forgeron, il veut quoi? Il s'appelle Doua. Tu te sens pas bien? Humain, ça ne te regarde pas. Tu as l'air très malade. Devrais-je t'apporter quelque chose comme du porridge de corail? Du porridge de corail? Mais comment un humain peut-il connaître les plats de mon peuple? Rameau m'a donné... m'avait déjà demandé d'en ramener. Mensonge, les humains ne sont pas dignes de confiance. Eh bien, il semble que cela soit nécessaire, donc je vais demander à Bancho de le préparer. Les ingrédients étaient le corail plume et le corail lisse, n'est-ce pas? Soigner le forgeron. Et il s'en bat les steaks de moi, pourquoi je... Oui, bon, confiance du peuple, patati, oh, super. Ok, je dois monter comme ça ou je... Ah non, ah oui, c'est tout là-bas, ok. J'arrive! Allez, Dave! Oh! Y'a rien. On prend le portail avec leur technologie de fou de téléportation. Hein. Lui, c'est Doua, lui? Suwam, rien à voir. Doua, c'est juste l'autre d'avant. Vous pouvez pas trop dans le virage, je suis de trébucher sur des algues avec tes drôles de jambes. J'adore son visage. Il me fume de rire. Il est inutile. Il fait que de la merde. La princesse l'engueule. Et lui, là, il fait le show et tout. Et c'est trop drôle. Ça me fume de rire. Ok. On va dans le temple. Le temple. Le sanctuaire du roi Long. Oh, c'est qui? Je connais pas elle. Niamo. Oh, tu dois être l'étranger. Que le roi Long te protège. Bonjour, quel est cet endroit? Oh, c'est là où nous commémorons le roi Long. C'est également là où nous stockons les archives de notre histoire. Ah, j'ai entendu Tenshin dire que tu aides les gens du village. Eh bien, oui, c'est comme ça pour l'instant. Dans ce cas, il y a une chose pour laquelle j'aimerais ton aide. Il y aura bientôt un mariage dans le village. Mais un récent tremblement de terre a détruit la tablette en pierre dont nous avons besoin pour le mariage. J'aurais dû faire plus attention lors du stockage. Cela semble être un gros problème. Comment puis-je vous aider? À l'époque où nous, le peuple marin, naviguions librement sur les mers, nous avions laissé des archives dans l'eau des humains. Je pense que tu parles de la salle des archives du peuple marin. Il devrait y avoir une tablette en pierre dans l'un de ces endroits, c'est certain. S'il te plaît, humain, aide-moi. C'était une chanson pour le mariage, n'est-ce pas? Je suppose que je vais d'abord aller à la salle des archives. Ah, je sais plus où c'est, moi. D'accord, je vais remettre la tablette. Tu ferais ça pour moi, je suis vraiment reconnaissant, tu vois. Que le roi Long te bénisse. Ok. Cool. Et bah yes, hein. Je crois que je peux toujours pas lire le truc. Eh oui, je peux pas lire. Je sais pas lire le peuple marin, tiens. Oh, j'ai pas activé le bot, my bad. C'est pas grave. Je vous jure, je ferai en sorte que le bot soit actif constamment. Ça me tente rien. Si vous faites coucou d'Ez. Non, il me propose même pas. Tant pis. Eh ben, on décampe. On va à l'extérieur du village. On va goumer. Oh non, j'ai pris le filet. J'ai pris le fusil filet. Qu'est-ce que tu veux que je chope du requin avec ça, moi? C'est un tout petit filet, il chope même pas des moyens poissons. Aïe aïe aïe. Aïe 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 dans la sauce. Poisson chat rayé. Stylé lui, j'ai jamais vu. 4 paires de moustaches autour de la bouche. Ok. Alors. Oh, fusil sniper. Je sais pas. Faut que j'utilise en fait le
Il est où? Le truc que j'ai chopé là. Si j'arrive à choper le requin avec la grosse prise, je refais. J'ai un peu peur. Enfin, je vais augmenter. Je peux pas augmenter le son là? Paramètres. Il est où? Comment je fais pour aller là-bas? Ah, je peux pas encore. Je sais pas quand est-ce que je pourrais, mais... Bon, il est où leur requin là? J'appuie sur Y, ok? Oh, il est colossal. Oh, on dirait vraiment celui qui a avalé le ballon. Non! Ah, je peux pas. Hein. Je veux pas. Hein. Tu gaspilles mes trucs, j'ai trop la haine. Où est mon sniper? Ah oui, il est tout à droite. Ah oui, c'est vrai, il est là loin. Je suis obligé de prendre le snipe, hein. Je vais essayer de pêcher les poissons déjà. Ok. Encore un. Ok. Du karaoké pour tous. Des ptactélis, des pacifiques. Poisson ogre. Nul. Il pue lui. Hein. Ok. Et du chicken agadawe. Ça marche. Ok, on va chercher le snipe. On va mettre 2-3 balles dans la tête du gros requin. Et ça sera bon. Hop. C'est bon. La cam elle fonctionne toujours. Je bouge comme ça. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ça marche. Le sniper est ok. On a 250 mètres de profondeur. Je sais pas si on peut aller plus loin. Il est à base bâtard. J'ai plus de balles. Au secours! Au secours! Là, il y a des balles. Voilà! Facile. Hop! Le ballon, on va aller par le requin. Il faut retourner au village. Ouais, chiant. Hein. Hop, on prend l'oxygène. Requin, grande gueule. Je l'avais pas du tout tué, mais. Ah, bizarre. Allez, on va de l'autre côté. Une autre caisse. Peut-être qu'on aura un truc intéressant. Oh, c'est bien ça, fouet de serpent des mers. Ok, sympatoche. On y va. Bah, est-ce qu'on a fini la quête ou pas du tout? Liste complète. Trouver le ballon. Ok. Bah, il faut aller les voir, je pense. On y retourne. Boum. Oh le bâtard, il meurt pas.
Allez, on y retourne. On retourne au village. Village du peuple marin. C'est le peuple marin. Ouais, ouais. Le peuple marin. Sion. Toujours pas ça. Et dire que j'ai gaspillé mes trucs sur le pêchage. Comment je fais pour choper des grosses poiscailles comme ça du coup? Gros requin. Je pense que je dois l'endormir. Un truc du genre. Je sais pas ce qu'il faut du coup. Ouah, c'est le ballon, tu l'as vraiment trop ramené. Oh, c'était terrifiant, vous restez à l'intérieur du village à partir de maintenant, d'accord? D'accord. Je suppose que les humains ne sont pas tous mauvais, contrairement à ce que m'ont dit. J'espère te revoir bientôt, humain. Dose un peu. Ok. On est à 75 sur 100 en confiance. C'est plutôt bien. Plutôt bien. Il nous faut des coraux. Et voilà. Il nous faut des coraux pour le forgeron. Et il nous faut un outil. Un outil quelconque pour choper des hippocampes. Hippocampe avec un Z, hein, bien évidemment. Le clione, un mollusque au corps cylindrique transparent. Un pince 10 en forme d'aile à tête cornée. Wow. 10 cm, ça marche. Mon filet a disparu. Bah, je suis triste. Hein. I am triste, évidemment. Donc on va le goumer, lui. Allez, ici. Oh. On vient ici. Oh, il est fort, hein. Ok. Ok. On va prendre ça. On y va. On peut prendre celui-là. On prend ce caillou. On peut le mettre là, peut-être, s'il se passe un truc. Non. Par contre, si on le met sur lui, là... Aïe. Tu peux réussir à l'écraser. Il est relâ le requin ou pas? Non. C'est bon. On va explorer un petit peu. Ah oui, il y a les méduses... Méduse qui m'attaque là. Ouais non, pas intéressant. Je pense qu'il faut juste remonter. On va remonter à la surface. On va essayer du moins. Hop. J'ai peur hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Ah bah il s'est... Oh, il y a un big requin. C'est le requin baleine. On le fume? Allez, on le fume. Ok. Munitions, vite. Il faut des munitions. C'est bon, facile en fait. Et bah oui, je peux plus le prendre, donc je le ramasse quoi, à la main. Deux étoiles aussi. Ça servir à quoi alors que je fasse... que j'appelle le drone. Ok, encore du corail. Super, plume de quoi? Corail plume. Qu'est-ce que c'est moi? Oh. Un harpon empoisonné, super. Et meilleure arme du jeu.
Le canard en plastique. On va garder, hein, on va le garder. Tant pis pour l'autre qui empoisonne, là, on s'en bat les steaks. Ok. On va se prendre un peu d'oxygène. Parfait. Une bouteille. Parfait. Hop, lui il m'embête. Désolé, hein, petit crabe, mais c'est ciao. Crabe araignée, je sais pas comment l'avoir autrement en fait. Nourriture pour chat ordinaire. Oh, let's go, on va pouvoir nourrir le chat. C'est marqué quoi là? Je pense qu'avec une bombe, on peut péter ça. Ouais, non, non, on va pas y aller. Ça fait peur, ma foi. On peut monter là? Non, du tout. Presque saturé en stockage. Hein. C'est pas fou ça. Oh! Il y a un point bleu là. C'est ce qu'on cherche. Ah, c'est du tubulaire là. Il nous faut du plume. Non, c'est pas ça. Liste complète. Ouais, c'est ça, il nous faut des plumes. Je sais pas, c'était pour quoi l'eau de corail? Ah oui, ça. J'ai des clients à servir que je n'ai pas pu trouver de corail. Ok. On s'en fout. Là-bas, on s'en fout. Et... Oh! Oh, il y a un petit chemin. Ah oui, merde, on peut... comment on passe? On passe déjà. Ouais, comme ça. Poussez-vous, laissez-moi passer. Voilà. Poussez-vous, j'utilise mon canard en plastique. Ou droite, gauche, droite, gauche, droite. Ouais, on va skater dedans, mais nous il faut du corail plume. Oh, c'est bien ça. On tège la lampe, on s'en fout. Il y en a ici. Il y a de l'améthyste. Moi j'en veux, moi. Ouais, mais Mitsu il va être comme ça lui. Bon, je peux le choper lui. Ok, déjà on va tuer lui là. Et il est pas mort. Du coup j'ai peur. À l'aide. Je tourne la manivelle normalement. Let's go. Ok. En fait, ils ont baissé sur lui. Oh. Tiens. Chien. Yeah. Bâtard, va. Hop, on prend la pioche. On récupérera le poulet, vous inquiétez pas. C'est juste pour miner un petit peu. Voilà, de l'améthyste. Et on s'en va. Ouais, on est un peu trop lourd. Et ça serait quand même top de choper... De choper du corail encore. On peut remonter ici. Faut pas l'oublier. On pourra revenir là plus tard. Oh putain, il m'a fait peur lui. Des munitions là-bas. Une lampe UV, c'est chiant. Une fiole, on s'en fout. Caillou, on s'en fout. Ok. Et y a plus de corail là? C'est comment? Ah merde, y a lui là. Bon bah tant pis. On rentre. Tant pis, tant pis. Hop, on chope quelques trucs. Voilà. Voilà.
Qu'est-ce qu'elle me dit? Petit truc et voilà, on est bon. Ça rapporte 15 viandes. Ouais, en vrai c'est pas mal, 15 viandes au lieu de 10. Pourtant c'est même qualité, mais comme il c'est même qualité mais un petit peu mieux en fait. Je sais pas s'il est considéré comme 3 étoiles. On va le voir, hein, on va bien le voir de toute façon. Ça m'étonnerait puisque il était mort. On l'a tué quoi. Alors, Tigre, œuf de poisson. Waouh. On a des œufs de requin. Excellent. C'est con parce qu'on en a pêché deux, on a eu qu'un œuf. Dommage parce que si on veut plus de requins, bah, il nous faut un autre œuf quoi, évidemment. Top, les poissons. C'est bon. Résultat de l'expédition. Super, merci. J'ai envoyé des petits sbires à la récolte de ressources. Et bon. Ouais, c'est en fait au même niveau que les deux quoi. 150 mètres, 200. Et là, salle des archives. Ah, faut que j'aille après. Ok, faut que j'enlève une quête. On s'en fout. C'est des archives. Voilà. Lui. Magasin. Ah, je peux pas. Là, je peux pas. On va voir les poissons. Qu'est-ce qu'ils disent, les poissons? Coincé, à l'aide. Au secours. Au secours, je suis figé. Pourquoi ça fait ça? Je comprends pas pourquoi mon hub USB il déconne. Ça me saoule. Ça me saoule. Attendez, je vais régler ça vite fait. Voilà, c'est bon là? Super. Je sais pas pourquoi. Et pourtant il bouge pas, il ne bouge pas et ça merde quand même. On a toujours que 3 chirurgiens. C'est qui s'est multiplié là. Pas mal de trucs. Dentiste là. Le poisson à dentiste et le poisson papillon. Ok. Ah. Ok, hein, bah plus qu'à attendre que ça, que les deux deviennent 3. Le papillon, le dent, que eux deviennent 4. Et ensuite voir si le 4 devient 6. On verra bien. On va voir pour le riz. On a une application pour le riz. Farm now. Dégâts parasites 0, croissance 5, récoltable 0. Bon, c'est rien. On va y aller quand même parce que je trouve ça stylé. Oh, bah il s'est fait une petite cabane, excellent. Ça va, mec? Ah, bah, je suis où? J'ai disparu. C'est le riz blanc de la ferme pour préparer des sushis meilleure qualité. Sushi fait avec du. Ah, oui, ok, on s'en fout. Les sichets filles avec du riz, un âme ne sont plus. C'est pas vraiment des sushis. C'est con, on utilise ce riz depuis tout le temps. Hein. Hop, c'est bon, ils sont contents eux. Dans 2 jours. Impossible 2 jours. Ah si, ça sera le jour même. Le jour même où le mec arrive. Où Michael Bang il arrive. Et Michael Bang, c'est pas n'importe qui.
Ouais, balise à tête jaune, donc on a 2 jours pour chercher ça. Donc, je pense que prochaine expédition, on va à la salle des archives. Et voilà, c'est tout. Enfin, fin du plan. On peut rien faire de toute façon ici. Peut recruter, on s'en fout. Alors, menu. On va mettre 25 plats. Ah oui, attends, mais on a pêché pas mal de trucs. Par quantité. Goût, plat, nom, obtenu, prix. Plat, par plat. Ah oui, ok. Requin grande gueule. On peut l'améliorer de fou. Ah, j'adore, ça me fume de rire. Encore. Oh là là, mais le plat de fou! Le plat de fou que c'est! Incroyable. Ça, c'est nouveau, sushi de poisson charrié. Oh! Le goût est très bon, mais l'argent est nul. Hein. Du coup, on va l'améliorer à fond pour que ça vaille peut-être le coup un peu. Bah, 130 en goût. C'est colossal, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? En 25, le truc à long nez. On peut l'améliorer, je pense. C'est pour l'améliorer niveau combien? Niveau 7? Allez, soyons fous. Ok. Du cajimi assaisonné. On peut l'améliorer, je pense. Ça suffit. Ensuite, carangue blanche. Est-ce que si je l'améliore une fois, je peux encore le donner? Oui. Donc on l'améliore une fois. Il y a une petite tête en bas à gauche de l'icône. Ça veut dire que. Alors, 3, là, je pourrais plus le faire si je fais ça. Est-ce que c'est grave? Non. Ça veut dire que c'est un plat pour une quête, pour un personnage. Là, on peut l'améliorer. Poisson, ange, nain, flamme. Oh, c'est super stylé, ça. Super stylé, on va l'améliorer. Encore. On peut plus. Ensuite, celui-là, poisson ogre. On l'améliore. Ensuite, la viande de roudon mouton, c'est nouveau. C'est bof. C'est très bof. Alors, on va l'améliorer à fond. C'est pas si rentable, alors on l'utilisera quand ça sera rentable. Lui, viande de raie. Lui, ça vaut le coup en sous, mais pas en goût. C'est cher, mais c'est pas bon, ça veut dire. ok. Encore. On peut plus améliorer. Oh, niveau max, c'est combien? C'est niveau combien, niveau max? Ouais, c'est super cher. Anguille loup. Putain, la vapeur. Quoi, anguille loup? Ah oui, mais c'est le plat du Big Boss. Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que c'est déjà niveau max et que c'est cher. Ça, c'est trop nul. Chirurgien bleu, là. Les plats sont nuls. Ensuite, celui-là, là. On peut l'améliorer encore. Eh, en vrai, ça donne bien, hein. On va l'améliorer qu'une fois, mais de toute façon on peut pas plus. Qu'est-ce qu'on peut améliorer d'autre? Ça c'est pour l'événement. C'est que dans 2 jours, alors je sais pas si c'est worth de le faire tout de suite, je pense pas. Par contre lui, l'oursin là, on peut l'améliorer.
Voilà. Ça, on a dit non. Karango, gros yeux. C'est un peu nul, alors on l'améliore. On va trip un niveau maintenant. On va aller tout en bas. Les niveaux pas ouf. Le triodon, on améliore. L'ange impérial, c'est assez stylé, mais c'est un petit poisson, donc c'est un peu nul. Le scalétette, scalélette, féroce. On va l'améliorer, c'est pas trop mal. Je pense que c'est un bon compromis. Qu'est-ce qu'on a de beau? Le Petatrichiepilis. Oh, ça, c'est War the Fou. On trouve dans les profondeurs. On trouve pas en grand en masse, donc c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. La loge saumonée. Si je l'utilise, est-ce que. On va voir. Parce que c'était pour une quête que j'en avais besoin. Et ouais, du coup, faut que j'en repêche 3, évidemment. J'en repêche 3, ça me paraît logique. Faudra pas que j'oublie, du coup, de repêcher ça. Et c'est parti. C'est parti, on va mettre des plats au menu. On va trier par je sais pas quoi. On a besoin de thunes un petit peu. Est-ce qu'on aurait pas besoin de thunes vite fait là. Truc anguilou, bof. Sushi de méduse. On peut en mettre un. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va en mettre un. Ensuite, ça. Oh, ça c'est fort ça. Ça, on met tout. Hop là, on met tout. Ça va nous rapporter la blinde. Ça, c'est l'événement. On touche pas. On touche pas au truc événementiel. Ce sera pour la suite. Ça, on peut le mettre. On peut le mettre. On pourrait le faire que une fois. Après, il nous faudra re de la carangue blanche. Ouais, allez, on en met un, soyons fous. Parce qu'en fait, quand ça va débloquer, quand le personnage de cette quête-là va manger ce plat, ça va débloquer une cinématique, enfin, du dialogue, etc. Sauf que ça va me couper dans l'élan. Et je me dis, je vais compter sur mon staff pour assurer, quoi. Recoin du recoin cuivre. On met tout. Donc là, on a 12, 13... Alors attends, 15, 20, 21, ok. Le requin si. À niveau prix, on a chuté un peu là. Requin si, allons-y. 34, il faut. Waouh. Ok, on s'en fout, on met tout. On a dit combien on était? Donc ça fait 15, ça fait 20, 21, 24. On reste sur du 24, je pense. Merde, je vais pas te parler, toi. Tais-toi. Laisse-moi faire Seigneur Baby. Ok. C'est parti, là? Ok, c'est parti. Ok. Oh, belle sœur du thé! C'est excellent. C'est vrai que j'avais oublié ce talent. Hop là, perfect. Je vais les aider parce qu'ils sont un peu mauvais. Hein. On nettoie. Il faut que j'apporte à l'autre. Ok. Oh merde, j'ai plus d'énergie. Cinématique. Ah, j'aurais dû apporter à la fin, je suis trop bête. Ah ouais. Waouh. Super. Je peux plus bouger. Ok, sniff. Hein? Pourquoi pleures-tu soudainement?
C'est trop bon, espèce de... C'est beaucoup trop bon. Bon sang, c'est trop bon. Ça me rappelle mon père. C'est pas style, petite. Je m'appelle Maki, je cherche mon père. Mon père est parti explorer les profondeurs, je n'arrive pas à le contacter. Ton plat préféré est le kumbo et l'ochazuke de carangue blanche. Et j'ai entendu dire que vous en vendiez ici. Je pensais qu'il aurait pu passer par ici. C'est dommage, je ne manquerai pas de te prévenir si nous voyons quelqu'un qui ressemble à ton père. Quelle est cette poupée? C'est une peluche de Clione. Mon père me l'a donnée avant de partir. Oh, j'ai un service à te demander, c'est à propos des Clione. J'en ai jamais vu en personne, peux-tu en attraper une pour moi? Une Clione? Je peux pas attraper quelque chose d'aussi petit avec un harpon. Que faire? Ah oui, c'est une espèce de poulpe là, de mollusque. Et si tu utilisais ça? Oh, c'est ce fameux outil qu'on a besoin pour choper les hippocampes. Waouh, d'accord. Oh, enfiler un insecte? Je pense que ça pourrait fonctionner. D'accord, j'ai essayé. Qu'est-ce que tu attends, espèce de morse? Enfile ta combi et plonge dans l'eau. Je suis désolé, je n'arrive pas encore à contrôler mes émotions. Ok. Super. Capturer les petites créatures. Super, Eh oui, vous pouvez désormais utiliser le filet insecte pour capturer les petites créatures, comme les hippocampes, let's go, les iclions. Quoi? Qui ne peuvent être attrapés avec le harpon. Oh, mais c'est les petits trucs que je pensais que c'était dans le décor, en fait on peut. Oh merde, Wasabi, vite. Oh la boulette. Vite. Heureusement qu'ils vont vite, hein, mes persos là. Ouais, wow, l'autre qui sert la bière, incroyable. On a plus de plats. Oh, on est tout pile. Combien j'avais de plats? 24, c'est ça? 5, 21, 24. Ok, wow. Ouais, c'est super rapide. Je pense qu'on s'est fait la blinde de thunes. Waouh! Oh mon dieu! Oh waouh! 4154! Oh, il y a la poste. Pourquoi il y a la poste? Mais énorme! Pas pour moi, j'espère. Je suis en plein live là. Je pense pas. Ok, donc on arrête quand? Faut que je parte pour 15h, donc 14h30. 14h30, je m'arrête. Ok, ça roule. Sushi de requin grande gueule, profit 209 x 12, bonus 156. Oh là là, c'est pas mal. On a gagné 0,1 en goût. Compliqué. Pour boire 338 de pourboire, ok. Et dépenses, ouais, la paye, évidemment. Évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Ça charge? Ok. Waouh, mais pourquoi c'est des tempêtes là? Qu'est-ce qui se passe? Plein de trucs, le rapport agricole est disponible. Waouh! Pourquoi c'est la panique d'un coup là? Oh, c'est la première fois qu'il y a un changement de météo, c'est trop bien. J'adore. Maki, c'était incroyable. Super. On est encore un peu loin. Les tâches. Oh merde. Attraper des clones. 5. Ok, j'adore. Farm now. Aujourd'hui, ok, 85, c'est pas fou. Ouah, ça tangue. On va aller à la ferme, on va voir ce qui se passe. Waouh, c'est joli. Ok. Comment on améliore tout ça là? Récolte dans un jour. Super. Il se passe quoi?
Ouais, sachez, ok. Ah oui, on peut avancer rapide, genre de ne pas les pêcher. Mais je trouve ça bête. Ouais, c'est pas bête, du coup, si t'as assez de poissons capturés qui se reproduisent. C'est pas excessif. Comment on fait pour l'arme? On doit changer d'arme ou... Ouais, 4000, mais c'est énorme, 4000. On peut upgrade des petits trucs là? Le filet. Non. Yes, ça a un peu à rien, je trouve. Bah, c'est utile, mais pour les petits poissons, quoi. Le sniper, il est utile. Mmh, 60% de dégâts de feu en plus des dégâts de base de l'arme. De dégâts de feu. 60% de dégâts de feu. Ça fait combien un dégât de feu? Pas marqué. C'est pas marqué. Parce qu'il y a 10 de différence. Si le feu fait 10, autant marquer ça. Mais je sais pas. Hein. Triple Axel. Pas fou. Le fusil de base est pas mal non plus. Il va beaucoup moins que le snipe. Il fait moins de dégâts. Et il y a plus de munitions. Je sais pas. Je verrais bien en vrai. Le truc tranquillisant. Ah, je l'ai pas fabriqué. On va le faire. Hop, c'est parti. Let's go, équipé. Non, pas spécialement. Ok, c'est nice. E-driver, on peut améliorer pas tout. Puisque c'est 6300, c'est colossal. On pourrait améliorer le coffre, qui augmente de énormément. En fait, la combi de plongée, ça nous permet d'aller au-delà de... 350, parce que c'était 250 le max. On peut être au niveau du peuple marin. Ça veut dire qu'on peut aller encore plus loin. Donc ça sera un peu pour plus tard. Niveau air, je pense qu'on est bien. Par contre, niveau fusil à fond, là, on va l'améliorer, je pense. On va l'améliorer. Oh, il est stylé celui-là. Hop, on améliore. Wow, mais j'avoue. C'est trop bien, ça change l'apparence, j'avais pas fait gaffe à ça. Améliorer pour infliger davantage de dégâts aux poissons. Bah, vas-y, encore. Oh, il est moins beau, lui. Ah, j'ai pas envie. Lui, il est nul. On peut augmenter ça. Ou alors, déjà, magasin... Oh! Une poupée leurre, il distrait les ennemis, espérer au bout d'un 13 secondes. Et coffre sous-marin. Coffre étanche peut être installé sous l'eau, les objets ramassés peuvent être stockés à l'intérieur. Les objets stockés sont automatiquement récupérés en quittant l'eau. Ah, intéressant. Intéressant. Et je vais prendre ça, je pense. Choper le thon. Et on va descendre jusque... Vas-y, on va faire ça. J'achète ça. Parfait. Et on va garder tout ça. On va changer d'arme. On va prendre... Le... Flèche silencieuse. Voilà, on va tenter ça. Et on va dans l'eau. Ok. En plus, il faut qu'on pêche pas mal de trucs.
Crevette à pâte blanche. C'est vrai que les crevettes, c'est gris-blanc. Quand ça cuit, c'est rose. Plutôt cocasse, quoi. Ouais, ils sont excités, hein. Ok. Ok, pas mal, j'en ai eu deux d'un coup. Elle tape pas mon robot, toi. Ok, il y en a plus qu'un. Ok. Ah oui, mais c'est des. Oh putain, c'est des bises que je viens de faire. Est-ce que je peux pas le choper? Ah oui, je peux. Ah bah oui, ok. Ah oui, ça change l'apparence, c'est stylé. Ouais. Ça le chope même pas, hein, tellement c'est un gros poiscaille. Ok. 8 kilos? Waouh. Ok. On va partir choper directement les. Ah oui, mais du coup, mon fusil tranquillisant sert à rien. Là, je suis trop bête. Et il est là. Oh, bah, j'ai tellement de dégâts que. J'ai besoin de le pêcher, genre. Dommage. Ok. Ouais, j'ai plus besoin de spammer maintenant, je pense, que comme je fais assez de dégâts. Ah, je peux le démonter, ça sert à quoi? Démonter. Ah oui, ça fait des fragments, c'est vrai. C'est marrant. Niveau 4, du coup, il nous faut des loches. Ok. Je sais plus où c'est les loches, mais. Oh, mais plus besoin de faire d'efforts. Ok, trois fois. Parfait. T'as le temps qu'on prenait avant pour tuer cette bestiole. Les loches summonées, je sais pas où c'est. Ok. Ah oui, il faut choper les petits poissons. Comment on fait? Wow, c'est quoi ça? Wow. Aïe. Bâtard, va. Ok, encore une. Solide, hein. Ok. Dommage que je sois bête et que j'ai utilisé mon truc. Sur le ton. Mais jamais jamais ils perdent de la vie, eux. Ils infligent 24 quand même, c'est pas mal.
Je fasse quoi avec mon petit canif là? Ok. Faut de l'oxygène à un moment donné là. Il y en a en bas je crois. Oh non! J'ai loupé! C'est super solide. Je comprends pas. Comment ça peut être aussi solide? Fuck. Pas une arme là quelque part ou... Des munitions? Là-bas, une arme. Un truc bien, s'il vous plaît. Truc éclair, c'est pas mal. Je sais pas si ça fait moins. Bah, de toute façon, je peux pas. C'est forcément plus. Oh merde! Pardon, petit poisson, je vais pas te choper toi, moi. Voilà, c'est ça que je voulais comme arme. Du thon jaune, voilà. Parfait. C'est nickel. Voilà. Eh ben dis donc, ça fait une bonne pioche là. J'aurais dû prendre le coffre. Ah oui, c'est vrai que c'est plusieurs fois que je vais prendre. Faut la loge summoner. Mais bon, j'aurai jamais. Eh bah oui. Chier. Pour Michael Bang. Je suis obligé en fait. J-1. Ah oui, mais ok. Si, j'aurai encore le jour d'après. J'aurai encore le prochain jour. Donc. Ça me fait de la marge, quoi. Ouais, j'ai ramassé pas mal de petits trucs de merde, mais. Ouais, bah tant pis, hein. Tant pis, c'est la remontée. Est-ce que je peux au moins? Non, ce sera pas ici. Tant pis. Ouais, j'aurais dû prendre. Aïe aïe aïe. J'aurais dû prendre le coffre. Voilà. Ouah, ils m'ont fait trop peur eux. Ouais, je pense qu'il me touchait, j'étais mort et je perdais tout ce que j'avais. Donc non seulement en plus de perdre la journée, j'aurais perdu tout mon loot. Voilà, 250 cm. Merde. Ok, du rouge, Akami, Shukato, Otoaro. Otoaro, c'est que des O. Ah oui, c'est que des O. Shutoro et Otoaro. Et là, un seul truc de thon et tu vois c'est des petits poissons. Ok. Ça c'est nouveau. Et deux thons différents. 20 et eux 18. Ah ouais, ok. Nickel. Ok, les poissons ont fait leur bail. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Rien du tout, mais ici. Rien du tout. Alors que là. Un petit poisson supplémentaire, du thon, et c'est tout. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. On va au poisson. On ira à la ferme aussi pour voir. Bon, je check depuis le téléphone si tout va bien. Oh, il y a des petits cœurs. Nouveau. Comme ça, nouveau. Pourquoi j'en ai deux de plus alors que j'en avais que trois? Ah, j'ai peut-être des œufs de... Oh non, ça a refait Touloulung. Non? Non, c'est bon. New fish.
Ok. Ça marche. On est beaucoup, beaucoup plus là. Si je fais tout vendre, 500, c'est nul. Si je fais ingrédients, 700 viande, 700, 107. Et vous ne pourrez plus faire d'élevage si vous utilisez tous les poissons comme ingrédients, évidemment. Ok, et ici. Non, pousse-toi, toi. New fish. La loge saumonée. Oh, mais c'est excellent. On en a combien? Ah, on en a qu'une. Ah, merde. Ah, ça, c'est con, ça. Ok. En vrai, je pense que on va ouvrir un nouveau truc. Parler au gars. Magasin. On ouvre une nouvelle zone ou on agrandit la zone, on peut tout faire, je pense. La zone de nuit, c'est vrai que j'avais oublié cette possibilité de pêcher la nuit. Je pense que la nouvelle zone est intéressante, en fait. Je pense qu'on peut déjà améliorer ça. Super. Ça agrandit, ok. Je pense qu'on peut débloquer la zone de nuit en fait. Hein. Bon, c'est un truc important. Il faut pêcher la nuit quoi. Nouvelle zone, jusqu'à 250 mètres. Allez, soyons fous. Hop, c'est déverrouillé. 800 pour améliorer celle-ci. Waouh, mais c'est fou. Complètement fou. Et du coup, on n'a pas de poisson dedans, je suppose. Oh si. Waouh, mais on a les requins lézards et grands requins. Trop bien. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Chigonnet, poisson hoc, pétissis et corail polum. Ok, c'est beaucoup hein. Ok. Là on a une seule loche, c'est dommage. Les loches saumonées. Ici on a de la petite poiscaille. C'est vrai qu'on en est deux en fait tout le temps. Donc là on a 5. Attendez. Chirurgien bleu, on en a 5. Est-ce qu'on a du chirurgien supplémentaire? Non. Donc, il faudra voir si le 5 se transforme en... Ah mais en fait ça dépend, ils font peut-être pas un seul... une seule progéniture, ils en font peut-être plusieurs. Parce que j'en avais 3 avant. Je sais pas si j'avais des œufs. Mais si j'avais des œufs... que j'ai ramassés... Ça fout en l'air le compte. Ah, je sais pas. En tout cas, il commence à avoir une bonne gueule. Bonne gueule, notre petit truc là. Bon, c'est le bordel dehors, mais il est. J'aime bien. Ici. Tout va bien, j'ai l'impression. Ok. Hop, on va. L'après-midi, bah on va retourner au bateau. Hein. Je sais pas comment choper les petites poiscailles. En tout cas, on va faire la quête principale vite fait dans la demi-heure qui nous reste. Dans la demi-heure qui nous reste, on va aller chercher. Oh putain, la vague de fou là. Sold out. Ah oui, je l'ai déjà acheté. Du coup, c'est dead. Nice. Bah nice hein. Est-ce que je peux améliorer de l'équipement? 6300 le trône, c'est un truc de fou. Un truc de fou. Juste sauvegarder. Au cas où, comme ça, même si ça sauvegarde de temps en temps. Toujours intéressant de sauvegarder soi-même. Alors, je réfléchis parce que là on va partir sur une big expédition. Là tout va bien, je sais pas comment on augmente la nutrition de la rizière. Mais tant pis. Météo, jeu.
Toujours pas de jeu. Gestion. Voilà, ça fait que augmenter, c'est super. Abonnez-vous, ça fera augmenter les stats aussi. c'est quoi le dernier slot? Ah oui, c'est ça. Quoi, ça fait doulou? Non, c'est bon. Bah on y va direct. Non, on va au peuple marin. Allez hop. Allez hop, peuple marin. On va aller voir le peuple marin. On va essayer de choper les hippocampes. Oui. Je réfléchis parce que je sais plus si... comment on fait en fait pour le choper. Je crois qu'il faut juste se mettre à côté de la bestiole et le choper. Alors. Ah oui, déjà on a une quête ici. Oh, je pense que ça suffit, pas besoin de choper les hippocampes. Mima. Oh là là, oui, c'est ça. Merci beaucoup. Je peux enfin offrir une nourriture de qualité à mes clients. J'aimerais également en savoir plus sur les humains, alors passe me voir pour discuter de temps en temps. Confiance 20. Ok, donc on chope les hippocampes. Et je pense que on est suffisamment en confiance avec le peuple. Oh, excellent. En plus, elle chope 3 étoiles. Bien. Allez, on cherche les hippocampes. C'est zen quand même, hein. Hippocampe girafe. Hippocampe nain. Et l'autre, je sais plus c'est lequel. Il n'y en a pas là. Ok, tant pis. Ok. C'est bien, ça fait musique un peu traditionnelle. Super stylé. J'en avais vu ici avant des hippocampes. Aïe, aïe. Bah non, il mon troll. Super. Peut-être à l'entrée du village. Mais j'ai déjà été à l'entrée du village. Ah ouais? Ouais, y'a rien. Ils sont où? Il manque deux. Ou alors je peux pas choper tout d'un coup, faut que je revienne la nuit ou... C'est quoi le... Ah bah non, je peux pas revenir la nuit. Oh, en vrai je pourrais, mais le miroir ne fonctionne pas. Donc si je veux revenir la nuit, il faut que je plonge moi-même la nuit. Et que je retourne jusqu'aux profondeurs 250 mètres, je crois. Un peu plus. Ouais, quoi, ça me saoule là. Mais ils sont où? Mais je les avais vus. J'en avais vu la dernière fois. Hein.
Ça monte super haut. Ça aurait pu. Jusqu'où là? Wow. Oui, c'est vrai qu'il parlait de l'arbre. Je crois que dans l'arbre ils ont un. Il y a une porte qui mène vers un autre monde des gelées ou je sais plus quoi. Ce que les vieux disaient devant. Je peux pas l'appeler. Monter sous le beluga. Allez hop, parce que là ça suffit, c'est trop long. Ok. Sommet de l'arbre divin. Super. Moi je vais super vite de fou. Ok, ça me téléporte avec le beluga, c'est trop bien. Poussez-vous! Je trouve l'hippocampe. Ils sont où? Ils sont où les hippocampes? Je peux pas sortir de... du village, sinon je vais devoir repayer l'hippocampe. Repayer le beluga. Le belugaxi. Je sais comment ça s'appelle ça. Un taxi beluga. Ok, si je vais tout en haut. De ce côté. Ouais, non, ça m'étonnerait. Oh voilà, on voit la porte. La porte dans l'arbre. Et apparemment, il est en train de décongeler ou je sais pas quoi. Aïe. Je peux parler aux gens? D'ailleurs, je pense que je travaille. Ok. Super mec. Je peux être dedans avec mon beluga. Mais non. Ah bah non. Je peux faire des jeux, effectivement. Mais je vais pas le faire. Oh, il m'attend. Oh, c'est excellent. Ok. Est-ce que ça a régénéré l'emplacement des hippocampes? Oui, non. Où est-ce qu'il y en a? Oulée, le virage. Non, je crois que c'est dead, hein. Chier. Oh, faut que je sorte et que je re-rentre. Là, je vois rien, même en allant un peu plus lentement. Ah merde, fallait que je parle à Bancho de faire un plat. Ah, la boulette. Pour le forgeron, pour qu'il soit plus malade. Bon bah tant pis. Je sors. Et je re-rentre. Hop là, on chope le ballon. Aïe. Oui. On quitte. Comme ça, on va voir... Oh, le Nautilus Pompilus. Nautilus Pompilus. 700 mètres. Ah ouais. Ok, hop, on re-rentre. Et on espère qu'il y a les hippocampes qui ont popé. Ça serait trop bien. Et je pense que c'est pas possible. Ils ont fait que deux par jour.
bizarre. Bizarre quand même. C'est qui m'avait demandé de choper les pélicans, les hippocampes. Pareil. Je vois plus, ils sont où? C'est qui celle-là? C'est les graines ici. Je sais plus. Quand je regarde en fait. Qu'est-ce qu'il dit lui? Et. Ok. Oh bah là. Bah super. C'est vrai que j'ai oublié qu'il pouvait être à l'intérieur. Ah ouais. Il faut faire tous les bâtiments quoi. Oh je crois qu'il est. Il est. Oui. G. Il est pas là parce qu'on est déjà été. Il est. Il est là-bas. Voilà. Super, on retourne voir la madame. Ensuite il faudra retourner ici. Pour le dire, c'est bon, on a tout, on a la foi des gens. Les gens croient en nous. Wow. Allez, demi-tour. Et hop, voilà. Super, du coup, on valide cette quête. C'est vrai que c'était elle. Yichen. On valide cette quête et puis je pense qu'on arrêtera là. Bien, bien, tu as ramené tous les hippocampes. C'était assez difficile à trouver. Et nous pouvons maintenant reprendre notre course d'hippocampe. Super, on peut participer? Je te donnerai un hippocampe en guise de remerciement. Waouh, où puis-je m'en procurer un? Va parler à Yami, tu pourras le trouver devant les champs de courses. Ok. J'espère te voir bientôt au salon de jeu humain. Ça marche. Salut Yami. Et salut Yami. Ah là là, tu es l'humain, je suis Yami, le responsable de l'hippodrome. J'ai entendu dire que tu avais attrapé tous les hippocampes qui s'étaient enfuis. Merci beaucoup pour cela. Déjà entendu de la part de Lichen. Donc, nous allons t'offrir une belle et solide. Un bel et solide hippocampe en cadeau pour tes efforts. Jayakar. Waouh. Ok, pour ce dicopamp. Waouh, j'ai vu beaucoup d'hippocampes comme ça ailleurs aussi. Peuvent-ils également faire la course ici? Bien sûr, apporte-les-moi, je les inscrirai aux courses. Puisque tu es ici, pourquoi ne pas essayer d'inscrire ton nouvel hippocampe? Sélectionne le menu enregistrer. Waouh, on va pouvoir custom nos hippocampes pour faire des courses. J'adore. J'adore. Ah oh ouais, il y a des stats et tout, c'est trop bien. Tu sais que tu peux inscrire les hippocampes que tu as capturés pour les courses. Pourquoi n'essayes pas tu maintenant? Essaye pas tu? Pourquoi B fermé? Vitesse, vitesse max, vitesse nitro, accélération, obstacle. Wow, information. Ah, je peux pas. Voulez-vous inscrire? Moi, je suis obligé. C'est bizarre parce que la flèche était pas au bon endroit, mais bon. Bien, ensuite, sélectionne le menu course pour te préparer à la course. C'est marqué fermé. Ah oui, ok, c'est mal. Course. Oh, course solo et course par équipe. C'est génial. Mais c'est génial. C'est ici que tu peux sélectionner le parcours et commencer la course. Comme tu es le nouveau dans le domaine, je suggère le parcours C pour débuter. Combiné. Ah oui, il y a des niveaux S et tout. En vrai, il y a des obstacles, il y a des poisons. Ah ouais, d'accord. Ici, tu peux découvrir les participants et en apprendre plus sur tes concurrents. Essayons de choisir un hippocampe pour la course. Ah ouais, mais ils sont super forts, eux. Et lui il est moins fort que moi. Lui il est pareil. Lui il est moins fort. Lui il est plus fort. Ok. Bah, c'est là où tu peux sélectionner les hippocampes pour que tu t'inscris. L'endurance hippocampe est très importante car toujours un œil sur la flèche à droite. Ah c'est l'endurance ça?
Une fois que les hippocampes ont couru, ils ont besoin de se reposer pour récupérer leur endurance. Plusieurs hippocampes doivent être prêts pour la course. Allons avec celui-ci pour l'instant. Ok, le Jayakar. Alors dès que tout est prêt, allons-y. Bah ouais, je suis prêt. Ok, on va faire... Oh, bon, il est énorme celui au fond. Applaudissez A pour augmenter la vitesse de l'hippocampe et gagner la course. Faut que je spam A. Ouais, j'ai peur. Si votre jauge dépasse le vert, vous ralentissez. Ok, alors soyez prudent. Il existe différents niveaux de type de course. Les courses de haies et les courses combinées offrent des prix plus importants. Ok. C'est trop bien. Ok, je suis vachement bien. Ah, faut que je glisse, que... Ça va quoi, sauter ou glisser? Ah oui, c'est pour les obstacles. Je vais pas le faire. J'ai gagné. C'est moi, lui, là? Oh, comment ça, je suis deuxième? Ouais, n'importe quoi. Impressionnant pour ta première course. Je sais que t'avais du potentiel. En bas à gauche, il est trop drôle. Dave, oh non, mais il m'a battu. J'ai pas compris au début. Fais chier. Ah, je peux refaire. Eh, j'étais à 22 partout là. Ah oui, ok, je vois. Du coup, ouais, vitesse max, ouais. Ouais, ok, je comprends. En fait, lui, il est super épuisé. Lui, il va bien. Lui, il est épuisé. Lui, il est en forme. Et moi, il est normal, quoi. Et du coup, si j'utilise, je peux plus, Je peux plus battre lui, quoi. Ok, donc c'est un que je le fasse, quoi. Par équipe? Oh, comment on fait pour pas avec des équipes? Pourquoi je peux pas? Condition déverrouillage normale 100. Ah, je pense qu'il faut être premier. Faut être premier ici. Ouah, c'est trop bien géré. Si je clique dessus, je peux... Non, je peux rien faire. Ah, c'est-à-dire qu'il faut que je chope des hippocampes dans l'eau. Oh, mais c'est excellentissime. Ok, donc pour la fin... Pour la fin, on va valider la quête du village. La quête du peuple marin, qui est de établir la confiance avec le peuple. Hop. Demi-tour, petit beluga. Hop, voilà. On va parler au roi. Et voilà, parfait. On va pouvoir débloquer des nouveaux trucs. On dirait que les villageois te font confiance. J'aimerais te remercier pour tout ce que tu as fait pour notre village. Tout le monde semble plus aimable que je le pensais. Je ne te fais pas encore entièrement confiance, mais nous pourrions utiliser toute l'aide possible en ce moment. Laisse-moi t'expliquer un peu ce qu'est le village. As-tu vu l'arbre au centre du village? Oui, il est énorme et couvert de glace. Oui, nous l'appelons l'arbre divin. Nous utilisons le fruit de cet arbre comme source d'énergie. L'arbre a ses racines bien au-dessous du fond, utilisant la chaleur géothermique pour créer de l'énergie. Comme les fruits sont créés à partir de cette énergie, il y a un immense glacier sous cet arbre, c'est-à-dire sous notre village. Un glacier au fond de la mer, je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose. Mais dernièrement, la chaleur venant des profondeurs de la terre est devenue plus intense, faisant fondre la glace lentement. À mesure que la température de l'arbre augmente, plus en plus de villageois tombent malades. Nous continuerons de prier le roi Long, mais les choses ne sont pas si simples que ça. Nous devons examiner le glacier sous la surface. Comme nous avons compté uniquement sur l'agriculture pendant longtemps, nous manquons d'équipement et de technologie pour explorer ces profondeurs, ce qui est embarrassant. C'est pourquoi je t'ai dit que nous avons besoin de l'aide des humains.
Je dois avouer que c'est désormais notre seule option, ma fille. Je sais que c'est une tâche difficile, mais est-ce que tu pourrais explorer la zone glaciaire sous le village pour nous? Ça semble très dangereux, mais d'accord. Mais d'accord. Il y a peu de tremblements de terre en surface. Il y a plus de tremblements de terre en surface également. Je pense que tout cela devrait être lié d'une certaine manière. Merci, nous nous assurons de te récompenser d'une manière ou d'une autre. Il te faut la clé du passage glaciaire. Wow, la clé. Où se trouve la clé? Teshin, quand nous avons scellé le passage glaciaire, nous avons mis la clé à l'intérieur de la grotte abandonnée, tu te souviens? Oh mon dieu, tu as raison. Mais c'est à nouveau que quelque chose ne va pas. Humain, s'il te plaît, va chercher la clé du passage glaciaire dans la grotte abandonnée. Tsuwam t'y conduira. Ce n'est pas dangereux là-bas? Ne t'inquiète pas, rien n'a signé, et ce, depuis un siècle. Personne ne s'y est aventuré depuis 100 ans. Ah, bah, tu m'étonnes. c'est un siècle, quoi. Bref, nous devons découvrir ce qui se passe dans la zone glaciaire avant qu'il ne soit trop tard. Il commence à se faire tard, reviens demain lorsque le soleil sera levé. Tsuwam te montrera le chemin. Ok, et voilà. Et bah, je disais juste avant, à quoi ça sert d'améliorer plus notre équipement de plongée si on ne peut pas aller plus loin que là où on est. Et en fait, c'est maintenant qu'on a accès à déjà une grotte abandonnée. Donc elle est de l'autre côté, il faut que je revienne plus tard. Et à une grotte glaciaire sous un arbre, sous des racines, sous un village. Tout un nouveau monde à explorer, donc je pense qu'il va être super stylé. Forcément, peut-être un délire avec de la glace ou je sais pas quoi, des trucs qui génèrent de l'énergie, donc je sais pas ce que ça va être. On dirait que tu t'es fait connaître dans le village, cependant, ne fais pas ce que tu veux, aide les villageois. Ok. Je pense que les villageois ne savent pas à quel point les humains peuvent être terribles. Souviens-toi que je te surveille toujours, humain. Mieux vaut te comporter correctement. Fais pas peur, le type, hein. Le type ne fait pas peur. C'est bon, c'est moi le roi, poussez-vous. C'est moi qui choisis. Tiens. Oh, ouais, ok. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc il faut que je chope la loche machin. Ok, regarde l'heure. Hop là. La loche semonée. Ok, ce truc là vit entre 300 et 1000 de profondeur, se nourrit de crustacés et de zooplancton. Sauf qu'il nous explose à la gueule quand tu t'approches un peu trop. Mais ça faut pas le dire quoi. Un filet, un snipe. Ok, pas mal. Boum. Boum. Non. Ah, oh, je peux le ramasser comme ça. Hop. Excellent. Encore. Allez, dors. Merci. Hop. Des 3 étoiles, facile. Ensuite, on prend ce fusil niveau 3. Excellent. Et c'est parti. Loche summonée. Objectif. Déjà ça faut le choper. Solide de fou lui. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi, aussi chaud. Lui il me saoule, lui, hop, on s'en fout. Faut faire gaffe au requin. On va le goumer le requin, tiens. Oh bah les steaks. Il est où? Ah non, mais non, il est pas là. Je sais plus où est la loche. Je pense qu'on aura pas le temps. Ah, pas le temps, faut que je rentre. Aïe aïe aïe. No time. Ah, c'est dommage.
Oh le big requin. Ok, on va goûter le requin. Ah! Mais non, j'ai touché le petit poisson. Voilà. Parfait. Et on l'amène avec le drone. Nickel. Comme ça, nous, on peut prendre d'autres choses. Oh, il passe à travers la roche. C'est cocasse, ça. Ah, un mur. Ok, on va essayer de choper plusieurs trucs. Là, je peux pas le tuer comme ça. Je peux monter à droite là? Non, je suis obligé d'aller tout à gauche. Chier, j'ai pas le temps, allez! Hop! Bon, là, je peux pas, on a dit. Ouais. Ok, il y a une caisse là, ce serait bien un truc pour accélérer. Un peu d'oxygène, ouais, bof. En vrai, on va faire ça, on va switch, on va prendre l'oxygène, on va prendre ça et on switch. Voilà, ici, le chemin. Ah oui, c'est le truc plume qu'on avait besoin. Parfait. J'ai oublié, je dois préparer un pourri de corail pour le forgeron. Tous les ingrédients ont été rassemblés, je vais donc demander à Bancho. Ok, en fait, c'est juste, j'avais pas assez. Ça marche. Hop, on remonte. Ah, en vrai, ouais, pff, ouais, non, c'est pas grave. Ah, si, on n'a pas la loche. Oh. Super. C'est quoi la loche? Ah oui, il me fait chier, comment je passe? Un hippocampe! Allez, let's go! Hop, ça dégage. Hop, ça dégage. Ils sont là! Vite! Faut que je chope. Casse-toi, barracuda de merde là! Voilà. Laisse-moi pêcher les loches. Bizarre. Non, il m'a pas vu, il m'a pas vu. Non. Ouah le... Oh l'esquive. L'esquive. Un truc pour remonter s'il vous plaît. Ou des munitions. Des munitions ça. Ok. Oh non, oh non, mais il y a 36 000 requins. Je suis dead. Oh putain. Ok. Là-bas, je pense que je peux remonter à la surface. Oui, c'est bon. On va juste choper lui, là. Voilà, Merou. Hop, on remonte. Ok. Du coup, normalement, on a tout. Normalement, on est clean. C'est plutôt bien. Ouais. Comment ça déplacer? Visez comme ingrédient. Hippocampe hérisson. Oh non, non. On garde dans l'inventaire. Dave peut ajouter les hippocampes dans la course. Deux courses à l'inventaire. Dave, bien joué du peuple, inscrivez-le à la course. Ok. C'est trop bien. Course d'hippocampe, c'est excellent. Ouais, c'est bon. Ah, faut que je lead comme ça. Ok. Super. Excellent. Les petits poissons sont contents. Il y a un tempête en pédalo, lui. Il pique encore. Salut, c'est Achat du Bourg Palette. Oh, la tempête se déchaîne.
Ce soir, les créatures qui donnent la carte de boss super rare. Quoi ? La créature qui donne la carte de boss super rare se montrera probablement. En tant que collaborateur Marinka, je dois frétiller d'impatience. Tu dois frétiller d'impatience. Pas vraiment. Oh, oh, oh. Si tu y vas le soir, tu verras le vortex créé par la tempête. Tu trouveras la créature une fois que tu seras entré dans le vortex. J'irai si j'avais mieux à plonger. Quoi ? J'irai si je savais mieux plonger, c'est dommage. Chouchou, alors je te souhaite bonne chance. Oh, oh, ok. Ça t'est. Nuit d'orage, ok, donc il y a un boss ce soir, donc il faut que j'aille pêcher le boss. Super, super stylé. Minecraft, on a débloqué quoi? Ce truc là, Cleone. Truc là, c'est avec les photos, ça c'était le boss de la dernière fois. Et des hippocampes, waouh, il y a un truc spécial hippocampe. Waouh, wow, mais tout ce qu'il y a. Oh, lui, il est majestueux, lui. Il est trop stylé. C'est des Pokémon, en fait. Hein ? Ah, ils sont dans la zone glaciaire. Source hydrothermale. Mais c'est quoi, ça ? J'ai pas accès à ça, moi. Grotte aux stalactites. Ah, ça, j'ai ça. Ok, donc il y en a plein pas haut. Zone glaciaire. Ouah, j'ai trop envie d'y aller. J'ai trop envie d'y aller. Oh là là, j'ai trop hâte. Oh là là, j'ai trop hâte. Oh, ça va être bien. Musique. Sympa. Ok. Oh là 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 là. Mais ça va être super. Qu'est-ce qu'il me dit? Oui, mauvaise herbe. Il y a une mauvaise herbe. Vite. Vite. On va retirer la mauvaise herbe. Oh là là, mais il est... Waouh, mais il y a une collection d'hippocampes. C'est incroyable. Faut virer les mauvaises herbes. Où là? Super. Nutriments. Pourquoi on n'est pas à fond nutriments? Ok. Poisson. Poisson, il se passe un truc. Non, il se passe rien. Il se passe rien. Par contre, j'ai pêché des poissons, hein. J'ai pas des poissons dedans. Non, ils ont pas éclos. Ok, bah ils me le diront de toute façon. Hop. Bouchy, ferme, bateau. Je sauvegarde et prochaine fois on ira fight le boss. À skip, y a un boss dans un vortex de tempête. Donc ça sera la prochaine fois. Bah c'est à nuit d'orage, trouver vortex. C'est juste en dessous de ma tête. On va le ficher ici. Mission principale. Donc ça, on a fini toutes les missions principales, c'est quoi ça? Ok. Eh bah putain. Pourquoi pas. Mission secondaire, VIP. Je pense qu'il faut attendre la fin de la VIP et on sera bon. Puisque le riz, on l'a demain. Et c'est demain soir que le VIP arrive. Donc on aura tout. Parfait. Ça c'est bon. Ensuite, la raie géante. Un moyen d'attirer la raie manta. Ellie pour... Ah oui, il faut que j'appelle Ellie. Bon, tant pis. Raie géante la nuit. Ah bah il faut peut-être que je l'appelle. Ok, bah faudra appeler Ellie. Et ensuite on ira fight le boss. Ça on pourra le faire le lendemain. Alsa les archives, j'avais oublié. Et des Cléon, il en faut 5. Ok. Donc chanson, ça les archives. Tac, on va mettre ça. Et voilà. Ok. On est bien. On est bien de fou. On est bien de fou. On sauvegarde. Ah, j'ai plus de plateau. Ok. Et ben on va changer la manuelle 1. Ouais. Voilà. Ok, c'est bien. Et retourner, sauvegarder et retourner à l'écran titre. Ok. Appel son du jeu.
C'est pas grave. Allô? Y a plus de son du tout. Ok, j'ai mis une petite musique de fond. Super. Et on va se mettre comme ça. Boum. Et voilà. Oh yeah! Let's go! Ok. Wow! Ok, c'était bien. C'était fort bien, ma foi. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci les gars. Même si vous êtes passé en l'heure, ça fait plaisir. On se retrouve, je sais pas trop quand, mais dans les semaines qui suivent, je vais essayer de créer un rendez-vous, un planning, etc. Voilà, ça va être banger, ça va être excellent. Pixel Masterclass, tous les termes de dingues, ma foi. Et voilà, écoutez, on est clean partout. Prochain stream, je vais essayer quand même de le setup tout de suite. Prochain stream, ça sera quand? Vous êtes dispo quand, vous? Ça sera... Attendez, mardi, mercredi, non. Jeudi. Non. Non, je sais plus. Non. Vendredi, non. Ouais, ça fait chier parce que... J'aimerais bien, c'est au moins 2 fois par semaine. Au grand minimum. Grand minimum. Après, j'aimerais bien plus. Au moins 3 fois par semaine, j'aimerais bien. Au minimum 2. Et au max 7. 14 même, le matin et l'après-midi. Mais voilà, j'essaierai un truc fin de semaine. Peut-être samedi matin. En fonction de comment ça se passe, etc. De toute façon, si j'arrive à anticiper assez, je balancerai sur les réseaux. Et voilà, là c'était vraiment un petit live surprise. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé la surprise, évidemment. Voilà, après, je réfléchis à des trucs, mais c'est que pour moi. C'est que pour moi, c'est que dans ma tête. Ma tête, il se passe des dingues, hein. Il se passe des dingues. Bon, sur ce, bisous les loulous, et à bientôt, peut-être samedi matin. Restez up sur les réseaux. Thread, j'ai du mal un petit peu, mais j'essaie de m'accrocher. Sinon, Insta et Discord. Exclamation Discord, exclamation... Non, il n'y a pas exclamation Insta. Mais exclamation Discord. Sur Discord, il y a les notifs, vous inquiétez pas. La bise et à bientôt.